Yes, I la compagnie, ici Tinopix, come back again pour RMS saison 2. Aujourd'hui, on va traiter la carrière de Neg Mahan. Let's go! Les Neg Mahan sont originaires de Garges des Gonesses dans le Val d'Oise. Composé de Jackie Brown, originaire du Cap-Vert, de son vrai nom Jackie Texera, né le 17 août 1975, de Benji, de son vrai nom Fabien Loubaï, né à Sarcelles dans le Val d'Oise, originaire de la République du Congo, et Jamatic, originaire de Martinique. La première personne sur qui tu tombes quand tu arrives à Garges, c'est Benji. Ouais. Et là, il y a le choc des mondes. Toi, t'es dans ton élément, poisson dans l'eau. Toi, t'es un mec du 10e arrondissement de Paris. Tu vois, un mec de Paname, 18e arrondissement de Paris. Il y a un petit côté, populaire, mais pas tant que ça, finalement. Ça fait quand même une grosse différence. Non, mais je t'explique. Quand j'arrive à Garges, moi, à 10 ans, je suis totalement perdu. C'est vrai que bon, j'habitais à Paris, Paris et la banlieue, bah, c'est deux univers totalement différents. C'est totalement un délire. Ouais. Et là, bon, je déménage, déjà j'arrive dans un autre cadre. Et là, on me dit non, mais il n'y a pas de collège ici. Tu vois, donc là, en fait, tout s'effondre. Tu vois, moi, c'est. Non, tu dis, mais je suis dans une favela. Ouais, c'est vraiment, tu vois, pour le coup, quand on parle de ghetto, bah ouais, c'était un vrai ghetto. Mais c'est là-bas après que, tu vois, j'ai fait aussi toutes mes armes et c'est ce qui a fait l'homme aussi que je suis devenu, quoi. En 95, les Neg Mahan se forment. Neg Mahan est dérivé de l'appellation nègre marron utilisée pour désigner les esclaves en fuite à l'époque coloniale. Les trois amis grandissent dans le même quartier et font initialement de la musique dans les ragas de force. En 95, le groupe compose la chanson La Monnaie, présentée sur la bande originale du film Rail de Thomas Gilou. 100 balles. Tu te fous de ma gueule, Nordine. 100 balles. 100 balles, alors tu ne perds 20 000 balles! Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc vous écrivez, vous êtes dans votre coin, tout ça, ça se passe bien, vous entraînez. Et puis il y a Cisco qui vient vous voir et qui vous parle du film Rail. Et qui vous dit, les gars, je suis connecté. À l'époque, c'était Tabata Cash, c'est ça? Non, c'était Tabata Cash qui était dans ce film. Samina Seri également. Samina Seri. Et il demande à plusieurs personnes, à des jeunes, etc., d'envoyer des sons, des cassettes à l'époque, pour la bande originale. Et non seulement le titre se retrouve sur la BO, mais il se retrouve aussi dans le score. Donc pour les gens qui nous suivent, le score, c'est vraiment la musique que l'on entend dans le film. Voilà, en fait, c'était et le score. Et c'est devenu également le générique du film. Le générique, générique de début. Nous, finalement, on a cette opportunité qui se présente. Ben, c'est magnifique, c'est que du bonheur. On joue, je sais pas, 6, 8 fois jour sur M6 qui était partenaire du film. Le morceau joue en boucle à la radio aussi, à toute patate. Mais en réalité, on peut pas dire que ça nous suffise pour qu'on se projette et qu'on se dise « ça y est, c'est maintenant que notre carrière démarre ». Non, on profite de l'instant présent. Et on se dit, bah, faut qu'on charbonne, quoi, tu vois. Et à cette époque, on avait signé juste pour un single. On n'avait pas encore signé pour l'album. Donc, tout était à faire. Une porte s'était ouverte, mais il y avait encore du chemin. Cette même année, le collectif Sector A voit le jour, fondé par Minister Hammer. Un collectif de rappeurs regroupant entre autres Sommy Bugsy, Passy, Doc Gineco, Arsenic, Pete Bacardi, MC Janik, etc. En 97, le groupe publie son premier album intitulé Rue Casse Nègre. Le titre de l'album s'inspire du film du même titre réalisé par Ezan Palsy, un film culte au sein de la communauté antillaise. L'album est enregistré à Londres, au Royaume-Uni, avec une section rythmique jamaïcaine. L'album devient disque d'or avec plus de 150 000 exemplaires vendus. Un franc succès pour leur premier opus. Et c'est vrai que nous, ça a été une grosse porte d'entrée pour nous. Le fait que le titre soit dans soit produit dans une compilation produite par Sony Music. Donc on a vous eu directement une entrée. Donc voilà, Sony sûr. Maintenant, tu vois, vient nous voir en nous demandant mais est-ce que vous avez d'autres morceaux et tout, alors que ouais, on avait deux trois freestyles comme ça qui se battaient. Vous avez en dit duel. Oui en fait, c'est ça. Direct, on était... Bien sûr, on a un album. On est prêt, on signe où. Tu vois. Et en fait, l'album Rue Casse Nègre, en vrai, les premières maquettes, on a dû l'enregistrer peut-être en 15 jours, quoi, parce qu'on a fait croire à Sony que, mais bien sûr, on a plein de titres, il faut juste nous laisser un petit peu de temps d'aller peaufiner quelques titres. Et voilà, et puis finalement, bah, ça s'est fait ouais, très très rapidement. Jeune homme, lève-toi, bat-toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas.
pas certains jeunes qui ne font que pleurnicher. Ils ont à peine 20 ans et dans la vie sont déjà des boyards. Dans la vie, y'a mes decks en soldats. Qu'on guerrier pour agir, on cherche la baguette pour faire. On les corps par l'été, on les personnes pas même l'état. Trop de fourmis, trop de magouilles et trop de sang. La banlieue est en détresse. Un malaise, tout le monde sait qu'il y a un malaise. Toujours les mêmes qui mènent la vie dure, toujours les mêmes qui sont. Que vont devenir tous ces jeunes qui périssent en prison, condamnés par Babylone? Que vont-ils faire? Nous allons de l'an 2000 et pourtant peu de choses ont changé. Toujours autant de jeunes derrière les bords des pays. Un délit est un délit, quand c'est fait c'est tant pis. Soit ça passe, soit ça casse, c'est libre ou c'est la zone. Tu m'as reviens parler. Pour heure, y'a trop de jeunes sont enfermés. De quel droit un homme peut-il décider d'enfermer des gens pendant plusieurs années? C'est comme dans la rue, c'est la loi du plus chiant. Mais comme dans la rue, tu dois coumer pour te faire respecter. La rue Casse-Nègre m'a tout appris. J'y ai connu mes joies, mes peines en un mot. C'est 6h du matin, la rue commence à s'animer. Comme toutes les nuits, des choses mystiques. Dans le sol, les chômeurs viennent squatter. Pour leur première dynam, toutes leurs chansons au jersey. Dans toutes les cases, les sonos roulent à fond. Du souk, de la soukousse et la petit à petit, la rue Casse-Nègre se remplit. S'ensuit de nombreuses tournées et un album enregistré avec les Martiniquais des Roughnecks, qui s'intitule Roughneck Marron. Crie avec nous deux. Si t'en as assez d'entendre ces femmes sans cesse te dire, avant qu'on leur fasse la cour, elles anticipent et répliquent. Non, devient un réflexe trop systématique. Ils ont cramé nos habitations, pillé nos terres, violé nos sœurs, sont abominations. Je ne peux me taire, laisse-moi retracer l'histoire de mon sang et ma chair. Et bien sûr, de nombreuses collaborations avec Stommy Bugsy, Mathieu Ruben, Arsenic, Daraji. Un assassinat verbal style Totorina. Mes taupes sont dans le Sénat pour au moins 7. Viens pas tester, ma camorra laisse, tu peux y rester. Ton sang sur ma veste et dans le coffre, ton corps en paix. Comme un fille des communs, c'est clair, on ne retrouve plus d'hommes. Difficile à tarcelle, mon style cisaille et mes motasses. Comme si j'habite dans une cité, je compte bien devenir quelqu'un. Dieu s'il a bon du tout, ou soit un bon musicien. Choisis ma vocation musicale et mon instruction. L'avenir appartient aux jeunes qui ont de l'ambition. Les mêmes clichés, même quartier chaud, le même shit dans les chaussettes, les mêmes machos, les mêmes chiens sans les ailes. De l'est à l'ouest, les villes au nord, le même dégoût, le même décor. Tous autour de la même terre, espoir de rouler sur les mêmes clous. Les mêmes murs, les mêmes durs, les mêmes cascades. Rage sans cesse. L'amour de mon pays est tout pour moi, faut que tu le saches. Je vis en Occident, mais ma lutte est sans relâche. Je dois aimer ton combat everyday. Jamais le lion n'a peur à reculer. En parallèle de tout ça, Passy crée le groupe Bissot Nabissot, dont Benji fait partie. En 98, ils créent leur label Première Classe et s'ensuit de nombreux projets. Après plusieurs EP, le label sort cette même année l'album Première Classe Volume 1. L'album rencontre un grand succès auprès du public. Quand on fait notre compilation Première Classe, c'est à la fin du projet qu'on se rend compte que wow, on a réuni 51 artistes et qu'on a réuni des artistes de tous bords, tu vois, qui viennent de différents quartiers, etc. Et en fait, on se rend compte que wow, on a fait un truc qui n'a jamais été fait dans le rap français. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a toujours été dans ce délire de, ça revient à ce qu'on disait, peace, love and unity et la transmission. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. Même si je dérange, ma trame même, chance s'arrange. Le rap est un jeu, appelle-moi player. Si t'as l'oreille, écoute ma rime bien, appelle-moi meilleur. Appelle-moi rough, un soldat parmi des millions. Je vais brûler comme du teshi et te fumer comme un spliff de zèle. Sans ce style, écoute ma voix, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? L'homme qui dresse la rime et tchatch, c'est que ça, tu le sais déjà. Ça défouraille et je ne vais pas faire de détails. Je vais t'étriper, je vais t'égorger et transpercer tes entrailles. Quoi qui se passe toujours au niveau. Première classe. C'est du négro type ouais. Négro. Dans ma la jambe, c'est toi qui es le plus grand mytho. T'aurais pu jouer dans la haine, y'aurait fallu plus de barjots. Des barjots. Et que t'es direct et hardcore. Toutes les ous t'adorent. Nous pas trop des comptards à chaque fois qu'ils parlent fort. C'est pour les mythos, il reste ceux qui se prêtent à jouer les narvalos. Tu fais les choses, non mec, je crois que tu te branles. Wow, wow. J'ai déjà mal, je vois bien que ça panique quand on cisaille l'instrumental. Voici Jackie Brown, le coyote qui a du toupé. Dans ce texte, on va se couper, des têtes, je vais découper. J'ai un style dangereusement efficace, jamais je me lasse. BENG bosse en première classe. S'ensuit une grosse tournée et un album live. Bissot Nabissot est révélé au public en 98 avec la publication d'un premier single, Bissot Nabissot, top 4 des classements, qui est une réussite commerciale immédiate. 8 têtes traînées, superstar au pays. Nourri au foufou à la fête, le bison envahit tout. Ma passe en place, tu aimes à toi. Pour le bison, la bison, du rap 100% afro. Bison, 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 la bison. Et Jackie Brown, de son côté, forme le collectif La Mac Malcriado avec Stommy Bugsy, Izé et G-Pax. Tous originaires du Cap Vert, mais ne sortira pas d'album avant 2006. Bissot Nabissot publie ensuite son premier album, Racine, le 19 février 1999.
L'album atteint la 5e place des classements musicaux français, compte environ 200 000 exemplaires vendus. La même année, Bissona Bisso s'illustre au Zénith. J'attends combien de temps? J'attends au loin, ce sont les cloches de l'armée, donc j'entends. Tant de joie, tant de peine, tant de sueur humaine. Et Africa, quel est ton DESTN? Hey Africa, hey Africa. Débarqué à l'aéroport, quand y'a pas Dakar. Bonjour à mon pote papy. Je suis à 100 à l'heure au rythme camerounais. J'ai pris une suite hôtel Hilton au mon bébé à Yaoundé. À mon réveil, j'en trouve une dans mon lit. Comment c'est un mystère? Mon black class, tout me sait. À la base, c'était juste pour faire un maxi. Donc, on était au studio avec l'ambiance, on a fait un morceau, on s'est dit, bon, on fera peut-être un deuxième. En ce temps-là, au pays, ça allait pas trop bien. Donc, la seule chose qu'on avait à faire par rapport à notre musique, c'est de faire au moins des morceaux. Pour... Et bêtement, on est parti sur un album. Et en vérité, Bissot, c'est un grand délire. Donc, on n'a pas calculé l'ampleur, on n'avait pas calculé que ça allait faire ce que ça a fait. Je ne suis sage qu'à mes propres yeux. Je veux ma place dans le royaume des cieux. Un truc qui a marqué nos vies. J'étais très content à la sortie de Bisso parce que c'était un pari où tout le monde me disait où tu vas avec ce projet africain, personne n'achète de la musique africaine, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et je suis, voilà, moi quand j'ai vu le Zénith rempli avec plein de monde comme ça, des enfants, des vieux, des bad boys, des femmes, des toutes couleurs, etc. Je me suis dit, bon, voilà, le message est passé et c'était multi-couleurs. En 1999, toujours, le groupe remporte les prix du meilleur groupe africain et du meilleur clip pour le single éponyme aux Africains Kora Music Awards d'Afrique du Sud. And the winner for the best African group is... Bissana Bisso. Et le mot de la fin, c'est Africa, unité, liberté. Parce qu'on sera plus fort dans le monde si on est tous unis. Et on remercie Dieu le Père qui est avec nous. Merci. Les Nègres Marrons apparaissent aussi sur les albums de Pete Bacardi, de Faflarage ou encore de la BO du film Trafic d'affluence et sur la compilation Indigo. Et on se passe de tout commentaire. Merde si tu penses le contraire. Ouais, j'ai tort si je m'enterre. Alors dis-moi comment t'aimes. J'en me dis qu'est-ce t'en penses. Mais mec, je devrais cause pour ma cause, c'est bien trop fort. J'accepte le refus de me taire quand les miens s'y prennent. Emmanuer le mal pour la maille. Je rapplique tes victimes sous la merde, pas de détails. Pour savoir anticiper, ne pas rester figé. Je n'attends pas que le destin nous prenne de vitesse. Sur filmer l'instru comme quand sur ton slip tu tires une tasse. Honorer l'invitation du kiff star. Des influences pour réfléchir, me dire dans la vie, avancer, c'est un choix responsable. C'est cette même année que Jamatic s'éloigne de ses compères pour débuter une carrière solo et sort l'album Jamatic Connection. L'album atteint la 50e place des classements musicaux français et certifié disque d'or. Même si pour toi rien n'est facile. Élever ses enfants est une lutte acharnée. Tu l'as mené dans... Jackie devient l'animateur de l'émission radio Couvre-feu sur Skyrock, une émission qui durera jusqu'en 2007. Eh hey, les ghettoyos, tu veux l'écouter Couvre-feu. Eh hey, les gens au ballon, ils veulent écouter Couvre-feu. Les gens sur la route, ils veulent écouter Couvre-feu. La jambe féminine aussi, elle veut écouter Couvre-feu. Et mettez-vous bien tous les mains, c'est bon, écoute. Eh hey, là, on dit ça, roulez. Eh hey, t'entends pas ou quoi? Couvre-feu, couvrez-vous. Qu'est-ce que tous les gens veulent écouter? Spécial pour tous les détenus, tous nos enfermés. Un mandat de vibes, on vous envoie. Yeah, c'est le couvre-feu qui prend le relais. T'entends pas ou quoi? Une spéciale Bomolo. DJ Lordissa, are you ready? Ok, let's go! DJ Lordissa, c'est le mix. Moi-même, Jackie Brown. Le piano s'enlève à le car. Quand on me cherche, je suis en Valka, comment je vais? J'en place une aussi pour Lordissa. Couvre-feu, tu montes couvre-feu, émission de radio. C'est sûr que nos expériences solo nourrissent et servent le groupe. Ouais. Quand Bisso se prépare, ouais. Quand Bisso Nabisso s'enregistre, Jackie il est là, il vient au studio. Ouais. Normal, quand Couvre-feu s'enregistre, ouais. Mais je suis là, je suis aux émissions. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si vraiment, ouais. Bon, mais toi tu fais ton truc, je fais mon truc, on se voit plus, on se rappelle dès que c'est Nègres Marrons. Non, c'est pas ça, au contraire, on s'accompagne sur ces différents projets, on se conseille aussi, on se consulte. Et on échange des idées, on se fait des recommandations et on s'implique en fait finalement dans les projets de chacun aussi, c'est important. En 2000, c'est plus qu'à deux que les Nègres Marrons continuent l'aventure et sortent ainsi leur album Le Bilan, produit par Tyrone Denis.
Le bilan atteint la 16e place des classements français et il est certifié d'or en 5 semaines. Plus de 210 000 exemplaires vendus. Un album devenu un classique du reggae dancehall français. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite? Et en solo, en duo ou en trio, reggae music remue les champs jusqu'à Rio. Mais c'est pas du cha-cha-cha, on revient raga-raga. Pour tous les fans de son roots and culture, yeah. Y'a pas DiCaprio, c'est pas le Titanic. Et c'est avec brio que 13 négros s'expliquent. Ils ont quitté leur pays pour aller chercher la vie. Partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal à ma 1970, troisième vague de l'immigration. Paris pour la plupart fut leur choix du... Une année chargée pour le groupe qui voit d'autres projets sortir tels que Première Classe Volume 2, Les Face à Face, où se trouve le méga hit Gladiator avec Lord Co, qui va faire couler beaucoup d'encre par la suite. Je mets comme un split de Saint-Emilia. Comme un futur décapite pour ma famille. Les riches qui t'aident, pas la peine de crier à l'aide. Et je fais mal à la tête, après je suis ton actifed. Tu parais, je suis là pour un clash, une mise à l'amende. Dès la deuxième mesure, je te le dis, tu tiendras pas un round. Tu es un chaos lyrical, t'as pas terrible, mais faut que ça saigne. Assassinat, vers toi l'appel, moi Jackie l'animal. Pour ceux qui apprécient quand la musique est originale, ouvrez bien vos oreilles. Tu reconnais les deux poids lourds qui kick, c'est Ben. J'ai l'enfant du peuple et d'Adi Mori, la dynamite. L'unification fera avancer cette musique. Les jeunes digues veulent de la musique authentique. Oui, Mori Benji pour plus de fire. Prenne mes micros pour tous les Rapsa et les Renois. On aime gratter le faf. En plus, c'est notre taf. Aligner la fureur nos vies en technique, mec. Pas paradis et Jackie. Ça ne peut être qu'original. Ceux qui se noient sont perdus. Je les sélectionne, puis les sectionne. Et je prépare le terrain avant Armageddon. Attention, c'est un clash hip-hop Braga en direct des studios de première classe. Je suis trop wicked. Comme disent les Jamaïcains, je te liquide. Si tu joues trop les Américains, petit Faya dit t'as pas le niveau. Mais c'est m'essaye, petit Faya dit t'as pas le niveau. L'enfant du ghetto n'est pas venu pour plaisanter. Philo MC, ça part en clash. Ton nom est sur ma liste, mes hommes sur ta piste. Désigné pour mourir, connard, tu pries le Christ. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. On les retrouve sur la compilation Sectora All Star, la dernière production du label, qui le 9 septembre 2005 est placée en liquidation judiciaire. Ou encore sur Hip Hop 2000 ou compilation Indigo R&B. Le clash avec Lord Co City. Lord Co City participe au projet Première Classe 2. En contrepartie, Jackie doit faire une apparition sur l'album de Lord Co City. Mais Jackie ne se rendit jamais au studio, et Lord Co City a sorti son clash contre Jackie, seul, de son côté. Jackie n'a pas traîné pour lui répondre. Un gros clash qui a pris officiellement fin sur scène il y a quelques semaines en 2020. Voilà, donc c'est un moment historique ce soir. Et aujourd'hui, on a choisi le château de la Bertichère pour se retrouver. Est-ce que la famille est là? Comme il disait Co City, on a fait un morceau il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Un morceau qui s'appelle Gladiator. Et ça, c'était une vraie joute verbale. Exactement. Et c'est vrai que quand on a fait ce morceau, certains n'ont pas bien compris le délire. Non. Mais c'était un délire artistique. Exactement. Et c'était le premier clash du rap français. Le premier. Qui était sorti sur Première Classe. Volume 2. Un truc de ouf. Et je crois qu'au City maintenant. Ouais. En parler c'est bien, mais le faire c'est mieux. C'est mieux. Attends pas ou quoi? En 2002, le groupe participe à la première édition d'Urban Peace, un album et le plus gros concert rap R&B français qui regroupe les plus grands artistes de ces styles au Stade de France. Clairement, une des seules devant des ennuis, oui. Que ce soit à 8 contre 1, pas de fuite, on finit unis. Oui. Voilà, bien voilà. Je voulais la personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu quitter. Je voulais que notre vie soit votre même. Je voulais qu'on gagne. Je parle de fait, pas de gueule. Je parle de musique pour les chiens. Que tu sois black, blanc, blanc, chaud. Hey Zaza, passe-moi mon son, je veux une certaine. Car le réseau n'est pas net avant que les codes aient la terre. J'ai mal au cœur,
quand je croise sans abri couvert, j'ai mal au cœur. Quand t'as le salut, dis-le que soit tous des enculés, les hommes. Ghetto, mon joli ghetto. J'te parle pas du grand frit sur ghetto. Le mal de vivre reste permanent. Trouver les résolutions devient évident. Bacardi et Monsieur Jackie. Stade de France fout le feu aujourd'hui. Stade de France, l'homme Jackie vient chanter. Stade de France, c'est quoi, vous êtes. Tout ce que t'en passe vite à vue, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru. Beaucoup de choses ont changé. J'aurais pu s'imaginer que le temps serait si. On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia. Pour baptiser les frontières mythiques avec tout le. On les retrouve aussi sur les compilations Chiche 14 ou encore sur Natural Raga Party ou encore aux côtés du 8 Clip Jean sur le titre Ça me fait rien. Militons pour les mêmes causes. On veut tous être libres et croire une jeunesse qui progresse. L'avenir s'annonce périlleux. J'ai ôté mon bandeau. Un jour est plus duré, on y arrive à subir des conséquences aussi. Nick Maron, Jackie à Benji, Wyclef Jean à Fuji. On jet privé de New York à Paris. Ça ne me fait rien, yeah. Si tu partages pas, tout le monde s'en va. Descends dans le quartier, tu te feras brûler. Courage, Jean du ghetto, Wyclef Jean, le hip-hop maestro. À part en guerre, vas-y pousse-toi. Mon chemin, si la musique m'enrichit, je veux pas être seul à qui fait chier. On ne cesse de foutre le dawa si tu le sais pas. Benji et Kija, côté en bourse, ouais, mes gars. En 2003, un troisième album voit le jour, intitulé Héritage. Tout le monde debout, que la fête commence. Les mecs marrons sont dans la danse. Everybody in the club, them a rock to the dub. Everybody feeling Irish tonight. Jackie and Ben, they were official. Them are not criminal. Mais c'est un party like wild animal. Mais j'aime tant cette musique, oui, j'aime tant son groove. J'aime quand tu t'agites, oui j'aime quand tu bouges. Mais danse, danse, danse. Veux voir les filles se déhancher. Oui, danse, danse, danse. Tous mes stars là se découlent. La voix du peuple doit résonner. Crier, l'heure de la rédemption a sonné. Ce quotidien dans lequel on aimerait mieux se sentir est devenu si dur qu'on s'interroge pour la rien. On a marre de beugler, d'être pris pour un mouton. Rien ne sert que gueuler, faisons la révolution. Eh hey, mais t'as vu c'est qui là? Qui ça? C'est qui? C'est Benji, des legs marrons, c'est lui là. Arrête de dire n'importe quoi, c'est pas lui qui suit. Moi c'est Benji, mais t'inquiète, Jackie et Benji, c'est la même cousin, la même famille, la même équipe, le même temps. Mais dis-moi si je te saoule, si je te prends la tête, hein. T'as vu, moi je m'arrange, hein, si t'as mal à la tête. Hein. Si ma force vient d'en bas, afin d'aiguiser nos écrits. Je suis un homme de terrain, à la vie, à la mort. Si ton son est bon, il mettra tout le monde d'accord. Que tu viennes du sud, de l'est, de l'ouest ou du nord. Dead, 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 dead. Ce soir vous êtes tous dead, moi. J'arrive avec mon commando. Mais ouais, je me la raconte, y'a du monde derrière mon dos. T'entends pas? Trop de pression dans ta sono. Wally, 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 donne-leur la putain de zik et le public respecte. Basique, un beat, un mic et j'pète. Magic et sur la bonne fréquence. Mon hip-hop fait swinguer la délinquance. En 2004, il participe à l'album de Ok Henry sur l'album Les Chemins de la Dignité. En 2005, le groupe forme également le collectif Noyau Dur en complicité avec Pete Bacardi et Arsenic après la fin du label Sectora. Ils se réunissent en 2005 pour sortir un album nommé Noyau Dur. Le noyau reste dur même quand il pleut des coups durs. On était plein au départ, toujours plein à l'arrivée. Mec, tu en as rêvé, donc secteur à la fin. Et puis boum, je redémarre au quart de tour. Y'a pas de victoire sans défaite, pas de haine sans amour. La musique c'est dur, mais la musique est bonne. Et la bonne musique dure, c'est l'air. On aura beau gagner du flouze, du cash, plein d'oseille, on ne sera jamais pareil. Même du changement à ce qui paraît. Ils ont rayé notre histoire, tricard nos couleurs, menti à leurs mots. Noir pour avoir carte blanche, français quand je gagne, immigré quand je perds, je suis le ghetto. Je suis l'indésirable voisin du bâtiment, le salmo. Rebelle sans cause, bon, les arts au crâne chaud. Que tout ne sera jamais comme ils veulent, la vraie force vient d'en sera jamais pareil, parce qu'ils veulent, ça ne change pas. Prêt à tout pour s'en sortir, en évitant les barreaux, c'est l'instinct de survie. On me donne des miettes, je donne du drame. Qui sème la misère et compte la pourriture. Sur une terre, alors je viole les règles. Et aux autorités, je lève mon troisième doigt. J'ai choisi Nesby, j'ai pas dit. On est habité par la rage et le mental endurci. On vit dans l'urgence, on réagit dans l'urgence. Garde la tête haute qui ne t'entraîne à rien. Pour réussir dans ce monde de requins. Et on les aperçoit sur les compilations Atomic Rhythm, Dealer de Raga Dancehall ou encore sur l'album Dingo Style de Fayade. Ghetto youth, ghetto youth, ghetto youth, ghetto youth. Lève ta main si t'es un jeune débrouillard. Mais qui a dit que l'argent facile était si facile à faire? L'argent n'a pas d'odeur mais quand on n'a pas ça sent. C'est deux doigts qui disent ça
et je partage ce sentiment. Trop d'argent n'a ni couleur ni odeur, c'est la même recto verso. Faut faire de l'oseille, on en veut, c'est ton fils. Trop de l'unité, normal c'est d'ici is là. Dans ton cœur ça fait pom pom fam poum comme d'ici is là. Pour des full fire. Laissez-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Dans mon coca, y'a toujours du whisky bien dosé, bien dosé. Dites-le, tout ça c'est la même. Le rock a fait danser tous les big boys sans problème. Les mecs marrons et daddy morris. T'entends pas ou quoi? Dis-leur de la gare. C'est la musique, c'est wicked, dangereux et militant. Des lyrics intelligents pour faire bouger les gens. Faisons des chants, chanter tout le temps. Et pas de temps en temps, militant jusqu'au bout avec les tapes, pas de temps. Des lyrics aiguisés, plein de messages conscients. Conscients que notre musique qui se ressent. Chanter la réalité, on a Daddy Mori, Jackie, Benji, Denjoué. Pour toutes les communautés, on reste engagé. Voilà Jackie Brown, Benji, les pyromanes. C'est le retour de flamme à tous les badman. Vas-y, dis-leur down, éloignez enfants et femmes. Le finé qui vient brûler la salle. Jackie, Benji, c'est juste Jackie, c'est normal, fallait pas tester la foudre. C'est Jackie l'animal, mec, la pression est trop lourde. En 2005, toujours Jackie sort un album solo intitulé Jackie Brown and Family, volume 1. Des noirs et des beurs qui tombent et se noient dans des bains de sang. La routine, j'imagine la fin du film. Ghetto, enfant du ghetto. Les poings se lèvent pendant que je fais vibrer la dance soul. Ne vaut tard que jamais pour tout péter. Mais ton cœur est électrique, de l'énergie dans ce que tu fais. La musique c'est comme l'athlétisme, faut savoir se passer le relais. Pensez à ceux qui sont derrière, c'est eux qui nous poussent à avancer. On ira à la guerre comme à la guerre, nous on veut la paix mais on prépare la guerre. J'arrive, flou engagé, le mort mic chargé. C'est fort planqué les gosses dans les pios. Enlève tes pâtés sur mon trajet, lâchez. Déclenchez la guerre, les chiens sont lâchés. La tchatche, la rue, bon quartier, je roule, j'ai réapparu, le visage caché derrière une cagoule. Danger, mes soldats sont passagers. On sonne l'alerte, tous aux abîmes, trop bien tout saccagé. En 2006, on peut aussi enfin voir sortir l'album du collectif Capverdien, un Mac Mal Criado. Les Nègres Marrons apparaissent dans la bande originale du film Scorpion sorti le 19 février 2007, ainsi que sur plusieurs projets comme le Best of d'Arsenic, sur l'album de Pete Bacardi Collector, sur la street tape de Passy Révolution, sur l'album de Stommy Bugsy Rime Passionnel, et sur les compilations Écoute la rue Marianne, ou encore le projet 19 grammes. Dans la vie comme sur le ring, on garde un mental en béton, qui prétend vouloir faire la guerre sans être prêt à mourir. Viens pas faire ta belle ici, pour gagner faut souffrir. Appelle-moi danger, le niveau est violent, tous mes adversaires repartent blessés. Agressif, choque mes victimes. Cherche la vibe comme un torse. Dopé, je mets un paradoxe, un calibre avec un message. Je n'ai pas, non pas de limite, mon département c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le seul que des ouf, ne sait même pas. Hip-hop résistant, kamikaze, on sort de là d'Afghanistan. Avec le trait, tout dreadlock, son ami. En tête, les vérités vraies, un savoir non douteux que redoute ce que c'est l'homme. Et mais la bande est réelle. Oh 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 oh, la bande est trop. Le pouvoir en est le seul juge. Égalité, tous les mêmes droits et la même justice. Fraternité. En juillet 2008, le groupe est de retour avec un quatrième album intitulé Les Liens Sacrés. On veut voir tout le monde sur la piste de danse. Hey. Normal si ce soir c'est la folie, folie, folie. Tout le monde dit les beaux, elles sont toutes jolies, jolies. Qui fait semblant de ne rien voir et de laisser le peuple mourir à petit feu. Petit pays, j'ai un beau direction mon petit bled, mon petit pays adoré. Archipel magnifique dans l'océan. Poisson ma John Lugaya. Dès que j'arrive à Santa Catherine, j'prends un petit gros gafras. Il participe aussi à l'album de Soumbil, Que la lumière soit, et aussi sur la compilation Dancehall Killa. Sinon rien, elle veut un homme qui à n'importe quel prix peut assumer quand elle veut mener la belle vie. Je veux connaître la jet set, les stars du
viennent sur des traces paillettes. Ouais. Ce soir c'est toi le VIP. Décoller, 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 décoller. Comme ta ceinture, attention, ça va décoller. Sensation forte, un mouvement de fou garanti. Doucement évite le mal de l'air pour la nuit. En 2009, Bissona Bissot revient avec le tube Chaud ce soir. La même année, il publie un nouvel album intitulé Africa. Ce soir c'est Bissot sur scène, jette mon couplet. C'est Yes Weekend version rap congolais. Tout le monde est le même pour Bissot. Je frappe les mains. Tout le monde est merde, je suis encore en retard. Tu connais l'heure africaine, esprit de dédard. Faut que je trouve un bluff vite fait, j'en ai. C'est le son de la police. Encore un contrôle une fois de plus. Il paraît qu'à se passe comme ça là-bas. Là-bas. À la descente de l'avion, on nous dit. Et bonne arrivée. À l'ombre, pas moins de 40 degrés. 1, 2, tout le monde sur la piste. 3, mon chauffeur, chaussure, faut que ça glisse. 4, 5, 6, Bissona Bissot. C'est qui? Bissona Bissot. Jackie commence son émission sur Trace TV. T'entends pas ou quoi? T'entends pas ou quoi? T'entends pas ou quoi? Ok, hey, comme je vous l'ai dit, on est là en violent et en direct avec monsieur B2OBA. Ouba, bien ou quoi? Tranquille. Calmement. Hein? Donc ça va être le Duc. Non, ça va être Garcimore. Garcimore que tu vas clipper. Bra, ouais. Bra, bra. En 2010, un gros tremblement de terre ravage Haïti. Le groupe réunit une grande palette d'artistes pour rendre hommage et apporter des fonds pour les victimes de cette catastrophe. Haïti. Ensemble, agissons pour Haïti. Pour que nos cœurs soient aussi de Haïti. Nos paroles ne valent rien devant ceux présents sur le terrain. Haïti, c'est qui en mode? Faut-il être un même pays pour se mobiliser? Pour le peuple haïtien, oh oh oh. Une action, un soutien, n'est-ce pas? Il participe aussi à l'album de Dos, Rêve Menotté, et sur la compilation Tropical Jukebox. Hey, mais t'entends pas ou quoi? On est là! J'kiffe les crosses, les quads, les grosses liards, yeah. Les gros chars en costard équipés gangster. On kiffe et on se balade sur un instru de malade. 9-5 dans les parages et ça kick à grosse tour. On kiffe quand la fight c'est bonne, que le son est lourd et dans la foule on entend bra, bra, bra. En 2011 sort le deuxième album du collectif, la Mac Mal Criado. On a fait aussi notre Bissona Bissot à la Cap-Verdienne avec ouais. La MC Malcriado. Ah donc oui, avec c'est vrai, autant Stony pour moi. Bugsy, bien sûr, pardon. Izé, Texera, bien et sûr. G-Pax. Et c'est vrai qu'à un moment, bah, on a eu une grosse résonance aussi au pays. Et là, ça fait un petit moment, effectivement. J'y retourne régulièrement, mais je suis un peu moins investis culturellement parce que maintenant ça devient un peu mon petit havre de paix où quand je vais là-bas j'y vais plus pour me poser, pour profiter de la famille, mais c'est pas exclu que dans quelques temps, tu vois, je réintègre les circuits. Il participe à l'album de La Harissa sur l'album Voyage. Benji sort son premier album solo intitulé Dancehall C4 avec quelques feats notamment avec Sir Samuel, Jackie et Matt Killa. Yeah yeah, en vivant et en direct de Paris Mini. Donc on est là pour le tournage du titre So Fresh So Clean. Ma team est de sortie, mets-toi en mode, trop frais dans le styling. Mets-toi en mode so fresh, les gars ont trop de style so fresh, les négros du style so fresh. Ce soir on est de sortie avec la team, on brille et on est frais, les fashion victimes. Swagga, 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 swagga. Aujourd'hui on ne parle plus de style, on dit le swagga. C'est mon morceau, il y a du monde, un plateau rempli de personnes swaguées, de personnes bien habillées, de personnes voilà, qui dansent avec le cœur et qui sont là chaleureusement dans une bonne ambiance. De Paris en Jamaïque, on est au top. En Europe, en Afrique, on est au top, top, top. Selecta dans moi de one job, je viens kicker sa one shot. On est là pour ma shop, le redeem est ma stock. Je te mets en sueur comme un sky bien dosé. Fais mec d'accord comme la weed légalisée. Je la rime en poison, toxique comme la joxine. Redeem belle, mais je maltraite et je vaccine. Oui, mec, j'assa. En son système avec le mérite. Pour être au sommet du podium, j'ai passé tant de périples. La tête haute, le regard. Monsieur Sir Samuel, Monsieur Benji, qu'on ne présente plus, mais que je représente toujours.
parce que un grand n'est pas un petit. Donc voilà, dans les locaux, Studio Mirador, Ivry-sur-Seine, le boulot se fait pour toutes les demoiselles, les filles du soleil, les filles à la peau dorée. Toi-même, tu sais, c'est ça qu'on aime, non? Chabine Doré, je t'embrasse, bonne soirée. Belle au naturel, un charme naturel, une vraie douceur, une petite merveille. Une fille du soleil, ta chaleur me parvient. Sur un coin de sable chaud, un petit baiser salé. Sous le soleil, on aime se laisser aller. Les mains ta couleur miel, je suis focalisé, mais je vais pas abuser. Fille du soleil. Et le groupe participe à l'album Premier Crime de Tonton Braque. En 2014, Yannis Odua les invite sur le remix du titre Rouge Jaune Vert. Hills and Valleys, très loin des Gaza et des Gaulais. La partie du rouge, du jaune et du vert, et aussi beaucoup de joie sur tous les visages. Et les balles avaient l'air de résister, ils ont beaucoup. Du rouge, jaune, vert, c'est un Rastaman. Babylone ne peut pas le mettre à la main. One love, c'est ce que les... On a des pensées similaires, aussi des points de vue qui diffèrent, ce qui fait toute la beauté de l'affaire. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert, les conquering rouge. Pour nous rappeler que c'est le même sort qui coule dans nos veines. Jamais de peur, encore moins de jugement racial. Peu importe où tu vas. Les bruits pour tous, partout pareil. Sur la rose des vents, le vert pour Madaé. On continuera de chanter pour l'amour et pour l'unité. Soldats du peuple, on risque le drapeau, yes. Rouge pour mes yeux ensanglantés, jaune pour la flamme, vert pour la weed que j'ai ramené. Rallié sous le signe des couleurs de la vérité. Dans nos gènes et notre ADN, c'est les mêmes black man. Nos soldats sont au rapport, assemblés pour chanter l'espoir. Pour nous tous, élever le Graal, la coupe de cristal, la vie, le cœur et le mental. Ainsi tu vois, ouais. Jouez-toi au vert le temps d'une danse. En 2016, Jackie reprend le contrôle de son émission Couvre-feu, mais cette fois sur OKLM Radio. Yo, DJ Fox, are you ready? Roulez! Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Au pays, la vie est rude, voyage est donc plus près. 5, l'étrange, Goldorak au thème de jeu. C'était les jours heureux pour un petit Renaud. Et voici en solo pour un nouvel album. Pour toutes les métropoles, mais aussi pour les dames. C'est dangereux, OKLM Radio, couvre-feu chaud 3.0. Le groupe sort aussi leur 6e album, Valeurs Sûres. Sans doute quelque chose de précieux. Valeurs sûres, valeurs sûres. Besoin du soutien des miens, toujours fidèle à la case départ. Pour que je me sente bien. Quoi qu'il se passe, uni et fort. À la vie, à la mort, c'est ma famille d'abord. J'ai 2-3 bouteilles dans mon placard. J'suis pas sûr qu'elles soient pleines. J'y ai souvent noyé ma peine. J'suis dans le feu, pas dans les cendres. Jackie Brown, je connais la rue. Je connais cette âme, je connais la nuit et dans l'obscurité je brille comme un diamant noir. Des larmes et du sang dans mon histoire. On arrive dans mon nez, on s'est pas abandonné. J'ai pas changé mais je m'améliore. Les épreuves m'ont rendu plus fort. Capitale de la banlieue nord. L'an 2000 c'était hier, mais c'est déjà loin, c'est millénaire. Tout est speed, tout s'accélère. Nouvelle époque, pense au séisme et au tsunami. La nature en colère prend des milliers de vies en Asie. Ici c'est Paris, futuring les millions de pétrodollars des Qataris. Je pense, le monde bouge et on n'y peut rien. Tout va trop vite, tout va trop vite. Le monde bouge et on n'y peut rien. Fast time, fast car, fast food, fast life. Acteur et spectateur d'un monde qui change. J'ai vu le flag Barack Obama, président du monde. J'ai vu les Twin Towers le 11 septembre tomber. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. Tout ne tient qu'un cœur qui bat. Je respire. L'air est gratuit, pour l'oxygène on est tous VIP. Quelle chance, sauf qu'on fait des disques, on roule dans des gros gamos. Des concerts dans des stades avec du gros matos. Une bonne étoile à vos gardes. Oui les deux font la paix, les deux font la paix. Nous cherchez pas la guerre, nous cherchez pas la guerre. Pas le temps pour les regrets. J'aime trop la life. Moi je vais la mener comme un bon vivant. J'aime trop la life. Ne me raconte pas tes histoires de cauchemars. J'ai grandi comme toi dans les cités dortoirs. Toujours bien accueilli, apprécié par tous. Et ça quel que soit l'endroit. Music. Alors on envoie un classique. Sauf si c'est leur meilleur niveau. Nous on valide pas. Passe, pas, pas, passe, pas, pas, passe. Jackie, ra, ra, ra. Je reviens les décoder comme le fond de la musique. Vis, vis, ça. Leurs punchlines sont débiles. Stériles et puériles. Le niveau est si bas. Ils veulent faire de la monnaie. Ils veulent des trophées. T'en demandes, mais tu ne casses pas des briques. Ne me parle pas de buzz. Ne me parle pas de vite. Les beats d'Aïdre et on le blues. Les hymnes sont devenus des nerfs. Entre deux fans. Il rejoint Lim sur l'album Pirate et sur la BO du film La pièce du Watibi.
En 2018, le groupe se trouve naturellement sur le best-of du Secteur A. Depuis, ils n'ont pas sorti d'album, mais ont enchaîné les concerts et autres collaborations dans la production. Et bien sûr, se recentrer sur leur famille. Et quand j'ai eu mon premier, ou surtout mes jumeaux, on va dire, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai aussi voulu un peu lever le pied. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bourlingué, tu vois, on n'a jamais été beaucoup là, voilà, de par la carrière, etc. Donc à ce moment-là, j'ai quand même voulu lever le pied un petit peu pour être un petit peu plus présent pour mes enfants. Et puis ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, voilà, pour pouvoir transmettre des choses, des vraies valeurs, un héritage et les accompagner au mieux. On essaye, après, tu sais, il n'y a pas de formule pour être un bon papa, pour être une bonne maman. Je pense que, en tout cas, la vraie formule, c'est d'être le plus aimant possible. Bien sûr. À partir de là, parce que tu peux être présent, mais si tu es présent et que, au final, tu inculques rien, tu transmets rien, tu vois. Mais si t'es aimant et que voilà. Afrique merveille du monde, même si certains diront c'est pas le paradis. Nous respect à nos icônes, tous ceux qui ont refusé d'obéir. Demain ça ira si Dieu le veut, on se relèvera si Dieu le veut. En 2020, Jackie prend part à une nouvelle caméra de Greg Guillotin dans Le Pire Stagiaire qui compte pas moins de 32 millions de vues. Moi, tu le sais, Jackie, en plus, on s'est déjà vu, on a même fait une vidéo ensemble. Tu le sais, moi, je suis un fan de la première heure d'Enigma Rond, depuis Ménage à 4, depuis Lève-toi, bats-toi, Le Bilan, évidemment, bien sûr. Moi, je kiffe votre musique. C'est une musique qui réunit les gens, c'est ça qui est cool, c'est une musique positive. J'adore ce que vous faites, même avec le Secteur, même les titres récents, là, comme Fast Food Music, comme même le dernier freestyle, bravo, le dernier freestyle, il est énorme aussi. Et voilà, moi, je suis un grand fan. Je serai là, à la Cigale, pour vous voir en mars, d'ailleurs. J'ai hâte de venir parce que Enigma Rond, c'est un truc de ouf sur scène aussi. Moi, j'ai un souvenir, même quand je vous avais vu, je crois que c'était au Stade de France. Enfin, c'était pour Urban Beast. Vous aviez retourné le stade. Je me suis dit, en fait, c'est vous qui mettez le plus l'ambiance, quoi. Voilà, c'est fou. Ouais, je suis premier clip, gros. Je sais pas, cher Scolu, ouais. Tu veux boire quoi, Junior? Rien. T'es fou, tout à l'heure, il a cassé mon disque dur, il a jeté par la fenêtre, gros. C'est des actions de fou, frère. C'est des actions racistes et tout, des actions de fou, frère. Attends que je le goûte, quoi. Des freestyles. Jackie est complice de notre piège. Nous avons fait croire à JNR que Jackie avait accepté de le recevoir dans sa célèbre émission. Ah, félicitations pour ce que tu fais. Hein. Merci, ça fait plaisir franchement. Moi, t'as vu, j'ai un peu suivi ton travail, t'as du flow, t'as de la punchline. D'habitude, nous, on est chez nous à Paris, mais aujourd'hui, on s'est déplacé à Lille spécialement justement pour toi. Ouais, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Ça va frérot ou quoi, tranquille? Nous ne sommes pas frérot, hein, déjà, je pense que ça se voit, non? Yeah, t'entends pas ou quoi? Le temps passé, et beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé, on fait le bilan, calmement en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Yeah, merci beaucoup. C'est intéressant, le bilan, oui. Alors, j'aimerais bien connaître votre bilan. Combien de maisons cambriolées, combien de kilos de hashish refourgués, quel est votre bilan, monsieur le rappeur, j'en suis bien curieux. En 2022, le groupe rejoint Jayane et Bambi pour le gros hit phénoménal produit par Dance Music, extrait de Dance Collector 5. Yo Benji, c'est comment? Ça va, on est là et toi mon frère? Ouais, je suis en mouvement sur la... Y'a la jante féminine dans la boîte, tu la vois quand elle danse, ça fait clap, clap, clap. I'm in the girl, them love. Toutes ces femmes en pour wine and catch. Par milliers, par centaines, qui fait bouger les scènes. Toujours les mêmes tandem qui dégainent. Come again. Me a de queen et a de dance. Them better know me a de queen et a de dance. Phénoménal, 9-5 sur le maillot. Le 16 décembre 2022 sort Antidote, un freestyle bien dancehall comme le crew sait le faire. Du 9-5 à mon argot, pas de retour au nez, jamais go. Je suis un designer, style 5 étoiles d'Upper Dan. Si tu veux me comparer, on a leur méthode qui les choque. Ils ne sont piqués pas d'antidote. Jackie et Benji, c'est Bette Spencer et Terence Hill. On arrive en ville serein, aucun terrain hostile. Mieux que la tendance, toujours en avance. Nec marron, classique, black, excellence. On a leur méthode qui les choque. Ils ne sont piqués pas d'antidote. Ils sont toujours très actifs dans les concerts et les festivals et se produisent à la Cigale le samedi 4 mars 2023. Un énorme concert. On peut aussi les voir sur d'autres scènes, comme celle de l'Orco City cette fois, pour la réconciliation entre Jackie et le Lord. Jackie, Cos, alors, on m'a dit que tu sors un nouvel album bientôt. Ouais,
Ça arrive très prochainement. Tu bosses sur de nouveaux projets? Toujours, tu sais, on est toujours sur le terrain, on lâche rien. Jackie Brown, ça c'est une légende du rap français. Ma question est pour Jackie Brown. Benji a sorti son projet solo en 2013, Dancehall C4. Ma question, tu la vois arriver. À quand le projet solo de Jackie Brown? Le troisième dingue marron, en vrai. Ouais, leur dit ça quand même. C'est un DJ, leur dit ça. DJ. Et bah ouais, il ça. Ouais. Il m'a dit, mais l'album. Ouais, mais tu vois, mais et ben là, oui, mon frère Issa, on va continuer à travailler. Tu veux pas que je prenne ma retraite, hein? Bon, en plus là, maintenant, on nous dit que la retraite, c'est pas pour maintenant. Voilà, donc... t'as vu, on t'a dit, c'est mort, trouver ouais, des choses à faire, ouais, donc bon, on va bosser encore un peu. Bon, pour l'instant, on est en train de bosser sur le prochain projet Neg Marron, qui normalement devrait voir le jour en 2023. Et puis parallèlement, bah, de toute façon, tu sais, quand on est en studio actuellement, quand on enregistre des morceaux, il y a les morceaux pour Neg Marron. Des fois, on se lâche des petites vibes aussi à côté pour nos morceaux solo. Mmh. Donc, c'est quelque chose ouais, qui viendra très, très certainement. Donc, Issa, t'inquiète pas, on va se mettre... Enfin, pas se mettre au travail, parce qu'on est toujours au travail, mais... On y pense. Surtout que tu charbonnes quand même, j'en place une, parce que tu travailles encore beaucoup avec Trace, ouais. Et notamment sur la Trace Academy, ouais. Là, qui se monte à Marseille. Gros big up à toute la team, parce que c'est magnifique. Aujourd'hui, les concerts s'enchaînent et les différents projets autres que la musique aussi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, et surtout à partager, ce qui m'aide énormément. À bientôt la compagnie. Peace.